T-Mike nous a dit qu'avec l'alligator, on ne devait pas en faire trop. On prend un peu de lait, ou comme ici, du babeurre. Et je vais saupoudrer d'ail en poudre et de sel. Ensuite, je vais ajouter un peu de farine et un peu de semoule de maïs. Si vous n'avez pas d'alligator, et il y a de fortes chances pour que vous n'en ayez pas, alors vous pouvez aussi utiliser du poulet. Ça va être absolument renversant. Vous allez voir que tous vos amis vont débarquer et ils vous harcèleront pour avoir du po'boy au poulet. C'est trop bon. On a l'assaisonnement cajun, le sel, le paprika, du poivre rouge, du poivre noir, de l'ail en poudre et des épices. Les épices, c'est ça le truc. C'est déjà salé. Waouh, c'est génial ce truc. Il y a du poivre noir là-dedans. Faites pas attention à lui. La vache, ces épices cajun. Reniflez pas de trop près, vous allez finir comme ce type. Ça rigole pas. C'est de la cocaïne cajun, les amis. Oh. La cuisine cajun, la cuisine créole, c'est carrément... Ah, c'est très très... C'est ça. On va commencer par la sauce remoulade. On va s'y mettre. On a notre oignon vert, nos cornichons. Josh a versé un peu de moutarde, j'ai la mayo. On ajoute un peu de sauce piquante pour donner un coup de fouet. Il n'y a pas meilleur que cette sauce. Regarde-moi ça. Elle n'a pas l'air délicieuse? Étale ça sur les nuggets d'alligator. Si tu l'étalais sur tes noix, je les mangerais. D'accord. J'en ai assez entendu, frangin. C'est bon. Ok, maintenant, on va prendre un peu de cet alligator et on va voir ce que ça donne. Oh là là. C'est en train de saisir. Waouh. On vous prépare un festin, les amis. On va vous montrer le véritable sandwich po'boy. Et voilà. Oh, mes aïeux. Laisse-moi voir, je vérifie la taille. C'est la bonne taille, ouais, parfait. C'est assez lourd. Je sais pas ce que tu vas faire avec ça. Oh. Nos amis sont arrivés. Ouais. À la Nouvelle-Orléans, c'est pas rare de voir des fanfares jouer dans la rue pour des parades impromptues ou des enterrements. Espérons que ce soit une parade.